Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed 3. Assassin's Creed Libération plutôt, c'est pas la même chose. Que je fasse pas l'erreur, ça m'est déjà arrivé dans des Let's Play précédents de ne pas dire au début le bon jeu. Et là on n'est pas dans le 3, on est dans celui qui est annexe, donc qui est à faire juste après, le Libération. Et donc, on va... Voilà, on va aller par là-bas. En vrai, elle est jolie cette Nouvelle-Orléans, hein, je l'apprécie tout à fait. Hein. Cap au sud, découvrez où se rendent les esclaves. Aveline, Agathe m'a informé de ton départ pour le Mexique. Tu comptes abandonner ton Écosse et les esclaves de la Nouvelle-Orléans? Et ta famille, y as-tu pensé? Gérald, mon père m'envoie à Cuba pour trouver de nouveaux fournisseurs et j'ai toute confiance en toi pour gérer les affaires en mon absence. Je dois traquer notre ennemi. Et quand avais-tu l'intention de m'en parler? Je ne voulais pas que tu essaies de me retenir. Est-ce tout ce que tu vois en moi? Des contraintes? Des ordres? Aveline, je tiens à toi. Ne te fâche pas, Gérald. Nos sentiments ne peuvent interférer avec notre mission. Je voulais juste éviter... Je sais que tu ne changeras pas d'avis. Mais puis-je au moins t'aider avant ton départ? Eh bien, j'ai un plan pour monter à bord. Les esclaves en partance pour le Mexique sont retenus dans une enceinte non loin d'ici. Tu pourras embarquer en te mêlant à eux. Mais je ne pourrai pas prendre mes armes. Comment te défendras-tu? Oui, je sais. Question idiote. Je les garderai jusqu'à ton retour. Merci, Gérald. Tu es un véritable ami. Alors, deux choses. Quand on sera en esclave, on va... On va aller chercher le coffre qui est là-bas. Ouais, il est original le bâtiment, il est le pont à son étage. Ah oui, ça va se remettre sous près. Je voulais aller au tailleur avant. Ah oui, on a vraiment plus rien là. C'est le désastre. Moi je pensais qu'elle allait garder au moins une arme discrète ou... Non, pas du tout. Alors, tenue... ah ouais, ah, classe, je me souvenais pas de ça. Ah, une capuche aussi. Ah oui, on peut vraiment s'habiller comme on veut. Oh, on les essayera plus tard. Alors voilà, on a la tenue traditionnelle, habituelle. Tenue d'ouvrière, tenue de cuisinière, tenue de bonne, tenue de gouvernante, tenue de jardinière. Ah, jardinière est stylée, en vrai. On dirait presque, je sais pas moi, une tenue d'une autre époque, genre de l'Antiquité ou un truc comme ça. Faut que j'arrache une page. Une suffira. Oh
Ah oui, c'est là, justement. Qu'est-ce que... Couillon ! Voilà, là j'ai réussi à la voir de là. Donc tout à l'heure j'arrivais pas, mais là c'est bon. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Des trucs pour vendre ça. Ok, la filtration, et donc je me souvenais plus de ça, ouais. On part vraiment comme esclave, quoi. C'est terrible parce qu'on est vraiment plongé au cœur de vraiment des esclaves et de leur vie, quoi. Note sur les mémoires de l'Animus. Convaincu de pouvoir contrecarrer les machinations de ses ennemis, Avin désobéit à Agathe et monte à bord d'un navire négrier se dirigeant vers une destination inconnue. Cette décision aura un impact considérable sur leur relation. Bon, ça on l'avait bien compris. Voilà, le fameux Mexique. Ouh, le décor de fond là, je sais pas ce qu'il a, va peut-être falloir qu'il charge. Mais c'est quand même plaisant, Chichen Itza. Sur un site Maya. Mes amis, je vous promets une vie de liberté, de productivité et de paix. Oubliez les fouets et les chaînes. Ici, vous bâtirez votre propre communauté. Et grâce à votre travail, nous prospérerons tous ensemble. Bon voilà, on comprend maintenant pourquoi les esclaves ils étaient tous très contents de venir ici. Mais j'ai l'impression qu'on a affaire un peu à un démago, à mon avis c'est... On a affaire à un... Il y a quelque chose ici, mais... Peut-être derrière la paroi. Ah oui, la musique est différente, j'étais plus sûr. Mais oui, c'est bien une musique différente. Je pensais que c'est la même musique que dans les bayous, mais non, non, c'est vraiment bien une musique... Oh, c'est joli, et... Oh, oh là là. C'est un réalisme frappant. Voilà, Chichen Itza. Bon, vous voyez, c'est pas très très grand, hein. On voit l'horizon. Mais ça suffit, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, bon, bah, c'est tout ce que je peux vous dire, parce qu'après, je me souviens plus de grand-chose. À mon avis, le type, là, c'est vraiment un couillon. Enfin, à mon avis, c'est le genre de type qui va faire croire, voilà, aux esclaves, qui va les affranchir en leur faisant travailler pour qu'ils construisent leur future liberté. Mais il les récupère surtout pour un autre objectif, je pense. À mon avis, enfin, je sais pas en fait. À vrai dire, je peux parler là et spéculer parce que je me souviens plus. Bon, on sait que c'est un Templier. Moi, je me dis. Il va leur faire des fouilles ou un truc comme ça. Et à mon avis, il doit y avoir un fragment d'Eden qui traîne là-dedans ou un truc comme ça. Mais je pense que Aveline ignore tout de tout ça.
puisqu'elle a, bon, elle a déjà été un peu voilà, tirée chez les assassins, un peu manipulée pour servir un petit peu de... Oui, un peu de bonne à tout faire, hein, même si elle est très balèze, genre, voilà, elle fait un peu toutes les missions qu'on lui ordonne et tout. Elle réfléchit pas trop, quoi, c'est pas la tête pensante, ça l'était pas en tout cas jusque-là. Et là, disons que... Y a pas que la libération des esclaves, y a la sienne aussi, hein, parce que... elle va quand même davantage, maintenant, suivant sa propre intuition, et pour essayer de percer les... Ah bah c'était ça, en fait, simplement. Pour essayer de percer un petit peu les mystères de tout ça. C'est bien foutu, franchement. Rien à redire, les graphismes sont beaux, en vrai. Des ruines partout, ouais. Ah, c'est vraiment un climat tropical, là, pour le coup, hein. Je pense que... Oh, Chichen Itza, ça va être le sud du Mexique, à mon avis. Oh oui, ce climat-là, on le trouve pas dans le nord du Mexique. Hein. Alors, à Nouvelle-Orléans, il y a un climat très particulier, mais... Oh, il y a la mer, il fait assez chaud, donc ça doit expliquer tout ça. On n'est pas loin du climat tropical, non plus. Je fais déjà un peu le tour, hein, et ensuite on s'occupera du reste. Là, on a des vestiges vraiment très très anciens. Enfin, je pense. Et c'est quand même bien fait, les détails sont riches et tout. Hein, on a une très belle vue là. On est pas si loin que ça en vrai, mais bon. On peut pas nier que le site est joli. Alors. Un autre point ici. Merde, où ? Et pour le coup, ce jeu, hein ? Franchement, ça aurait été vraiment terrible s'il avait pas été refait sur PC. Hein. Parce que c'est vraiment une pépite, quoi. Ça fait vraiment partie des bons jeux Assassin's Creed. Hein. C'est pas du tout un truc secondaire. Il est un petit peu moins riche en missions secondaires et tout que le 3. Hein. Là, ça se voit tout de suite, mais... quelque part, ça m'arrange plus. Ça fait moins de bordel. Et franchement, le jeu vaut le coup. Il y a des tas de choses. L'histoire est riche. Elle est riche en retombées et tout. Il est plus long que le premier Assassin's Creed. Hein. Enfin, en tout cas, j'en ai l'impression. Bon, on n'est pas encore... on n'a pas encore beaucoup exploré les temples, mais là, on... On a déjà fait un bon tour de Chichen Itza. On va éviter les ennuis. Mademoiselle, auriez-vous envie de goûter mon excellente bière? Ou du tabac, peut-être? Je vous fais un prix d'ami. Non, merci. Et en avez-vous à vendre par hasard? Désolé. Oubliez que vous m'avez rencontré. Moi je dis, il y a une arnaque. Hein. Les mecs ils font croire aux esclaves qu'ils vont les libérer, mais c'est ce que je vous disais, à mon avis, il y a un objectif derrière et les affranchir, en réalité, je pense qu'ils en ont un peu rien à foutre. Bienvenue. Merci bien. Quelle est ta spécialité? Le nettoyage? La couture? La cuisine, peut-être? Disons la chasse. Voilà qui est peu courant. Mais tu ne seras pas seul ici. Le chef du site de fouille est aussi une femme.
Si tu t'entends bien avec voilà, elle, un site fouille. Tu trouveras vite ta place. De toute façon, tout le monde se plaît ici. La force de chacun fait la force de tous. Fantastique. Site de fouille. On a plus d'éléments. En vrai, je dis ça en toute bonne foi, je me souviens plus de ce qui se passe ici. Mais bon, avec le recul, et puis en plus, à l'époque, je crois que je comprenais rien à l'histoire du jeu, enfin... Il y a une histoire de fragments d'Eden à tous les coups. C'est vrai que moi, quand j'avais acheté les jeux Assassin's Creed, le truc qui m'intéressait le plus à la base, c'était d'explorer, voilà, de grimper au mur. Mais pas vraiment de faire les histoires, alors que maintenant, bah, finalement, j'aime beaucoup les histoires, je trouve ça vachement sympa. Aveline ! Oh, quelle joie de pouvoir partager cette nouvelle vie avec une de mes sœurs ! Mais pourquoi es-tu ici ? N'étais-tu pas déjà libre ? Quand j'ai appris ce qui vous arrivait, j'ai eu envie de le voir de mes propres yeux. Ce qu'on dit est donc vrai ? Votre communauté prospère ? Plus encore, nos foyers sont confortables et la nourriture ne manque pas. C'est un vrai paradis. Recevez-vous un bon salaire ? Nous sommes autorisés à participer à la vie de la communauté, chacun du mieux qu'il le peut. C'est le seul salaire dont nous avons besoin. Ces terres appartiennent à la communauté ? Un jour, sans doute, lorsque nous aurons acquitté nos contrats. Ces terres ont une grande valeur. Cela prendra du temps, mais ça en vaut la peine. Et si vous décidez de partir ? Ça n'est jamais arrivé ? Qui voudrait quitter cet Eden ? Personne n'est jamais parti. Chut ! Tu ne devrais pas dire ça. Personne ne pense comme ça ici. Nous sommes très heureux. Il n'y a pas de place pour les pessimistes et les fauteurs de troubles. Je suis vraiment heureuse de t'avoir revue. Bonne journée. Elles le sont toutes. On se croirait dans un régime totalitaire. Moi, je me rappelle que, genre, dans les années 40, j'étais allé en Allemagne et les gens parlaient comme ça. Et il me semble pas que c'était le sommet de la démocratie à cette époque-là. Hein. D'ailleurs, j'étais pas resté longtemps parce que ces cons-là, nazis, là, ils avaient saccagé mon château. J'étais foudrage, je suis reparti. Je suis reparti, hein, et les mecs, ils étaient armés jusqu'aux dents, il n'y a pas que ça à faire. Hein. Alors, élaborer une arme à partir des matériaux à votre disposition. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je le vois, je sens. Vous le sentez, le coup fourré, là ? Hein ? Site de fouille, ils sont très heureux, mais les terres leur appartiennent pas. Un jour, elles leur appartiendront, apparemment. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Ah, ou alors peut-être que les Templiers, qui sont certainement derrière ce coup, sont à la recherche d'un fragment d'Eden et y a que ça qui les intéresse, dans le fond. Et puis après, ils les laisseront vaquer un petit peu comme ils le veulent. Parce que dans le fond, c'est pas... C'est possible aussi. Élaborer une arme à partir de matériaux à votre disposition, donc on y va. Il y a toutes sortes de matériaux par ici. Je peux peut-être trouver de quoi fabriquer des armes pour être prête quand le moment viendra. Récupérer deux ceintures sur les gardes. Ne participer à aucun conflit ouvert. Bon, à mon avis, ça, je pense que c'est un peu un coup du lapin, hein, mais... En vrai... il est pas mort, bon. Ou alors, on lui... Je sais pas, on lui craque un os et il tombe par terre, et je sais pas. Faut juste pas se faire repérer par les autres, là. Parce que lui, là, il a l'œil, hein. Ouais, c'est bon, là, je suis suffisamment isolé. Oh bah. Elle a disparu. C'est joli, hein. Faut voler des couteaux maintenant, ok. Ouais, c'est pas bien méchant. Les couteaux sont dans une petite boîte au pied des tonneaux. C'est pas le genre de cambriolage le plus complexe à faire. Hein.
Par contre, le second, il est plus vilain. Déjà, là, ouais. Ouais, ça va. De rien, rien. Il y a une petite église aussi, là. Il m'a fait peur, lui. Bon, lui, il a eu plus mal, je pense, que moi, j'en ai eu peur. Merde. Non, faut monter, ça. Le truc, c'est que là, dans le 3, je me rendais pas trop compte, mais là, quand j'appuie sur A en même temps de courir, même si ça y a le risque qu'on saute, ça fait quand même avancer les personnages beaucoup plus vite. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais ce réflexe, en fait. Je pense que ça devait venir de ce jeu, comme c'est le premier que j'avais fait. Enfin, pas le premier jeu que j'avais fait, mais le premier Assassin's Creed. Ah. Oh. Pour qui te prends-tu ? Merde ! Bah, je me suis défendu, hein. Enfoiré. Ça pour ça. Elle est maligne, Adeline. Adeline. Un peu rudimentaire, mais c'est mieux que rien. Une petite lame, ouais, c'est déjà mieux que rien, en effet. Bon, bah c'est un gros 50%, hein. Pas grave. L'agent de la compagnie. Découvrez l'obscur secret de la colonie. Oh, ça va faire trop là pour l'épisode. Ça va le rendre trop long. J'avoue que je suis tenté, hein, mais ça va faire long. Je repasse sans cesse parce que c'est un peu le bordel. Il y en a plus sûr. Lieu. Merde. De détention des marchands d'esclaves. Avec les étoiles derrière. L'héritage de Madame John, ouais. Fort Saint-Jean. San Juan del Bayou. Hutte d'Agathe. Repère des contrebandiers. C'est joli, hein, sur les images. Ah là là, ça rayole. Chichen Itza. Pyramide de Kukulkan. Plateforme des aigles et des jaguars. Place de la Grande Boule. Il fallait imaginer que c'était des terribles sociétés à l'époque. Il y avait beaucoup de monde, hein, dans les cités mayas et tout.
Ouais, y'a rien. Ah si, y'a des trucs à faire là-bas. Oh tiens, je vais aller les faire tout de suite. Le mystère de machin, on le fera plus tard. Ah non, je pensais que c'était ça. Ah, voyage rapide, d'accord. Ouais, il y a peut-être personne pour l'heure ou un truc comme ça. Il reste une statuette. Bon, vous voyez, c'est pas très très grand, hein, mais... Ne vous inquiétez pas, il reste encore le mystère à percer. Quelque part, c'est bien pensé dans Assassin's Creed, parce qu'ils font des petites maps, mais elles sont riches et concentrées, enfin, elles sont bien choisies, quoi. C'est pas parce que c'est petit que c'est gênant, en fait, parce que... Enfin, quelque part, c'est mieux d'avoir plein de petites maps bien différentes, on a des dépaysements, qu'une seule grande map où tout est pareil, quoi. Après, je sais pas si ça va durer, parce qu'il me semble que dans les Assassin's Creed les plus récents, ce sera plus vraiment comme ça. Enfin, encore que c'est peut-être une idée reçue, parce que je sais pas trop à quoi ils vont ressembler. Pourquoi c'est un muraille ici, je sais pas. Les soldats qui logent là peut-être. Et voilà, sur ce, à bientôt.